On est parti du coup pour la suite de cette série sur la création d'une application Windows Form en C#. On va s'occuper de la session dans cet épisode et aussi du fait que s'il y a zéro fichier existant, on ait un premier onglet qui s'appelle sans titre. Donc voilà ce qui devrait s'afficher lorsque l'on ouvre notre application et qu'on n'a aucun fichier d'ouvert. On va commencer tout de suite du coup par aller dans la classe MainForm, dans votre fichier MainForm, où vous avez voilà l'initialisation des components. Nous on va créer une méthode private void initialize file que l'on va appeler juste après les components. Pour le moment, ok. Donc cette méthode va nous servir à initialiser hop notre onglet. Du coup, en effet, on appelle juste après ceci, parce qu'en fait les components ici, ça va être le chargement. Donc si vous faites un contrôle-clic, on se rend sur l'endroit où se trouve la méthode. Voilà. Ça va être en fait le design de ce formulaire qui est généré automatiquement. Ce code est généré automatiquement. Donc nous, on ne peut pas utiliser notre code qui va appliquer des modifications à notre formulaire avant. Il faut obligatoirement que ce initialize component soit avant tout cela. Donc mon initialize file, pardon, comme je vais toucher aussi à mon tab contrôle, etc., je vais le faire après tout mes petites méthodes. Alors, on va faire ça comme ceci. Notre session peut même la démarrer juste après, par contre, notre initialize component. Voilà. Comme ça, voilà, on a un petit peu d'espace, on sait un peu ce qu'on fait à chaque fois. Très bien. L'initialisation du coup des fichiers. Alors, nos fichiers sont stockés dans notre session. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va déjà tester if session. Donc, session, on récupère un autre objet ici public. On récupère les fichiers. On récupère le nombre de fichiers. Alors, s'il est égal à 0, s'il n'y en a aucun, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on va afficher un message box. Mbox, double tab. On est bon. C'est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau fichier. Avec en paramètre, sans titre. On peut directement spécifier ici le 1. Puisque s'il y a 0 fichier, le premier, ce sera forcément sans titre 1. Ce que l'on fait, c'est qu'on va ajouter directement dans notre session notre premier fichier. Ensuite, il nous faut ajouter une tab contrôle, un peu comme on a fait dans notre menu strip. Lorsque l'on clique sur le bouton nouveau, on peut procéder de la même manière. On peut créer une variable RTB. Je copie-colle. On peut utiliser la méthode tabPages.add. Ici, on peut récupérer notre main tab control juste là, qui est notre variable publique, une propriété publique. D'accord. Ensuite, on va pouvoir signaler que le current file est égal à notre fichier actuel. On peut pareil ajouter dans notre tab pages du coup notre tab control. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on dit que voilà exactement. Alors hop, on sépare en deux la tab page qui vient d'être ajoutée. Alors on va l'appeler tab page. C'est donc égal à notre main tab control.tabpages de 0. De 0 car on ajoute ici la toute première tab pages, tab page, donc forcément l'index commence à 0. On a obligatoirement cet index qui doit être renseigné pour pouvoir récupérer notre premier onglet et lui ajouter notre RTB. Donc tab page.controls.add RTB. Voilà, ici on a donc la déclaration d'un nouveau fichier textfile, notre rich textbox.
On peut le déclarer dans nos contrôles, c'est peut-être plus intéressant. Ici, en gros, on a la partie gestion des contrôles. On ajoute ici le nouvel onglet. Et ici, on définit notre current file et notre current RTB. RTB. Initialize file, on peut donc démarrer. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ici que lorsque je lance mon application, notre table contrôle est sélectionnée et non pas notre rich textbox. Alors lorsqu'on faisait nouveau, est-ce qu'il y a un pro peut-être quelque chose, un ordre qui fait que ça sélectionne bien notre RTB, vous allez voir. Quand je fais contrôle N, on a bien notre rich textbox qui est sélectionné alors que je n'applique pas de focus. Il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas je vais vous montrer une méthode qui est bien sympa. Donc juste après tout cela, non, on va laisser ça ici. Une fois qu'on a ajouté notre contrôle RTB à notre onglet, on va utiliser la méthode rtb.select. Sélectionne une plage de texte dans la zone de texte. On n'utilise aucun paramètre et en fait ça va juste activer le contrôle. Et vous voyez, on est directement focus sur la zone de texte. Donc première chose de faite, nous ce que l'on va vouloir faire c'est que lorsque l'on va écrire du texte, ouvrir un onglet, ouvrir un autre, quitter, relancer notre application, que tout ceci soit sauvegardé. On va donc travailler sur la classe session et un peu sur la classe textfile. Ça va se passer du côté du dossier. Voilà. Alors on va travailler dans le dossier roaming, c'est-à-dire alors dans le raccourci %data%. Dans notre session, on avait défini, vous voyez, application data path, c'est ici. %data%, ça représente ce dossier. Avec le dossier notepad.net. Alors, une première chose à faire lorsqu'on va créer notre session, lorsqu'on va l'instancier, on va, si jamais notre dossier n'existe pas, c'est-à-dire notre dossier application path, on va le créer avec la méthode directory.createDirectory. Et on prend notre variable application path. On va pouvoir relancer notre programme. Très bien. On va check là-dedans. Et vous voyez, hop, on a notre dossier notepad.net qui vient d'être créé. Donc c'est parfait. Alors modifiez-le. Voilà. Ça c'est bon. Si on relance le programme, il va rien se passer. Si on va supprimer le dossier que l'on relance, notre dossier se recrée. C'est parfait. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du coup de la sérialisation. Sérialiser un objet, c'est le sauvegarder dans un fichier. Puis, en le désérialisant, on va pouvoir le récupérer, c'est-à-dire lire le contenu du fichier pour le transformer en objet en C-Sharp. On va créer une méthode save. Première méthode, ça va être donc de sauvegarder nos fichiers. Public void save. Voilà. Donc, on va utiliser une méthode qui va permettre d'allouer la mémoire et de la désallouer directement dès que le travail est terminé. C'est en utilisant le mot-clé using suivi de notre ressource. Ce que l'on veut utiliser, c'est un XML writer. Voilà, que l'on va appeler writer égale XML writer. Alors, XML writer point create. Voilà. Stream. Donc en fait, ce que l'on va créer, c'est notre file name. Vous voyez? Ce file name, c'est celui-ci qui contient le chemin suivi du nom du fichier. Donc notre propriété FileName. On va pouvoir appliquer du coup des settings juste après, je vais vous montrer. D'abord, on va faire ça comme ceci.
Alors là, il nous faut un espace, une parenthèse. D'abord, il nous faut créer donc un objet serializer. New, on instancie notre serializer, XML serializer. Il faudra utiliser le using XML serial.serialisation, ici, system.xml.serialisation. Le type d'objet que l'on veut serialiser, c'est notre session. Donc on utilise type of session pour récupérer le type de l'objet. Le type de l'objet passé en paramètres. On utilise notre objet serializer et on serialise. Vous voyez, notre objet va donc être écrit dans un document XML. On utilise notre objet writer qui est notre stream. Et notre objet, c'est celui-ci. C'est l'objet courant, vis. On sauvegarde cette session actuelle. On va pouvoir, du coup, cette session la sauvegarder uniquement lorsque l'on va fermer notre application. Dans l'event, closing, form closing, ici. Se produit lorsque l'utilisateur ferme le formulaire juste avant la fermeture. On peut utiliser un message box, closing. Hop, vous voyez, juste avant la fermeture, on va enregistrer notre session. Donc ce que l'on fait, on fait appel à un session.save. On démarre notre programme. On le ferme. On va aller voir notre dossier. Tiens, on a notre fichier session.xml. Alors. Vous voyez, ah, c'est pas terrible, hein, c'est pas très beau. Nous, on ne veut pas de cette signature ici. Donc, déjà, ce que l'on va faire, c'est supprimer cette formulation XML. Alors, je vais fermer ça. Ok. Donc, on va utiliser des settings qu'on a vu ici. Notre XML writer prend un deuxième paramètre, des XML settings. Donc, ici, on va créer une variable, on va utiliser un espace ici, empty namespace, c'est en fait un namespace qui est affiché en haut de document XML, égale new XML serializer namespaces, voilà, entre parenthèses, new, et il nous faut utiliser les crochets pour pouvoir utiliser un tableau que l'on va initialiser. Avec un XML qualifié name.empty. Voilà, comme ça, on n'aura plus de problème. Ici, c'est pour notre sérialisation, d'accord, oui. Namespaces, effectivement. C'est ici le namespaces, pardon, qu'il faut l'utiliser. Donc, si j'écris, enfin, j'ouvre mon programme, je sauvegarde. Je relance, vous voyez, on n'a plus l'URL là qu'on avait au départ. On a juste encore l'encoding ici et une structure vraiment désastreuse. Donc, ce qu'il nous faut, ce sont des settings pour notre document XML. On va créer pour cela une variable que l'on va utiliser ici, private, read only, puisqu'on va pas la modifier ensuite, XML writer settings, qu'on va appeler tout simplement writer settings. On va du coup l'initialiser dans notre constructeur, on va l'instancier. Et l'initialiser comme ceci. On veut que notre document soit indenté. On n'utilise pas de point virgule. Pardon. Oula. Ok. Allez, à la ligne. On veut indenter les caractères avec la tabulation. Vous allez voir ce que cela va donner juste après.
Et on veut omit XML declaration, c'est ce qui reste en haut de notre document XML, c'est-à-dire le ceci, ce qui est en rouge. Je vais pouvoir lancer mon programme. D'abord, il faut spécifier dans le second paramètre les writer settings. Je vais pouvoir faire mon programme, ouvrir Notepad, recharger le fichier, et voilà. Voilà notre session, à quoi elle ressemble pour le moment. Sauf que nous, on va vouloir que ce soit quand même plus condensé, plus lisible. On va transformer certaines choses en attributs. Notamment, on veut que sur notre session, on ait l'attribut ActiveIndex et non pas que ce soit une balise. Pour ce faire, sur notre ActiveIndex ici, il va falloir utiliser un attribut. Un attribut sur une propriété se fait avec des crochets. Et on va pouvoir utiliser XML attribute entre parenthèses. Et vous voyez ici, on a le schéma de notre signature. Et on utilise attribute name égal active index. On peut démarrer l'application, fermer, retourner sur notre pad. Et vous voyez, notre active index est devenu un attribut. Ce que l'on veut faire aussi, c'est que notre text files n'apparaisse pas, mais qu'on ait que des fichiers. Des fichiers qui vont s'appeler files, et qu'on n'ait pas une grosse balise text file, comme ceci, c'est pas lisible. Ici, sur notre text file, on va utiliser XML element, avec notre propriété element name définie à file. On va pouvoir lancer notre application, la fermer, actualiser, ok, on a notre file comme ceci. On va pouvoir aller dans notre objet text file et de même utiliser des attributs. Alors, on va copier celui-ci. On veut l'attribut XML. Alors, ça va être au-dessus de notre commentaire. Il faut using system.xml.serialisation. Et ici, on va tout simplement copier le nom, utiliser filename. On veut aussi enregistrer le backup filename dans l'attribut name. Hop. On relance notre programme, on le ferme. File, filename égale sans titre 1. Notre backup filename, pour l'instant, n'est pas enregistré, donc il est vide. En utilisant égal string.empty, est-ce qu'il va m'enregistrer une chaîne vide? Pardon, le point virgule. Donc ici, si ma valeur n'est pas renseignée, au lieu que la valeur soit nulle, j'utilise le string.empty. Voilà, on a notre propriété backup file name, du coup qui est égale à une chaîne de caractères vide, comme je viens de le spécifier. Alors nous, ce que l'on veut faire, c'est que l'on ne veut pas enregistrer le save file name, mais tout simplement l'ignorer avec XML ignore. Je relance l'application, je la referme. De même pour le contents, et de même d'ailleurs pour le save backup file name. On ignore tous ces attributs. On n'en veut pas. Donc voilà à quoi doit ressembler nos fichiers. Alors si j'en ai deux fichiers, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. On a, vous voyez, nos fichiers qui sont enregistrés dans notre session. Alors ça c'est bien beau, mais lorsque l'on lance notre programme, rien n'est chargé. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai ouvert mon programme, il y avait deux fichiers dans ma session, maintenant il n'y en a plus qu'un parce que lorsque j'ai fermé la session, il n'en restait qu'un. Donc on verra ça dans la prochaine partie, car c'est encore quelque chose qui va nous prendre pas mal de temps.
On a déjà vu comment fonctionnait la sérialisation, on verra la désérialisation, et du coup, par la suite, l'ouverture d'un fichier, la sauvegarde des fichiers. Ce que l'on peut faire, c'est clean un petit peu les usings inutiles pour libérer des lignes de code, comme ceci. On clique sur nos contrôles, on appuie sur F7. Sur Visual Studio 2019, vous pouvez supprimer les usings inutiles comme ça. Ou alors, une solution existe aussi. Par exemple, si on va sur celui-ci, on voit qu'il y a des usings inutiles. Mais on peut utiliser sur notre projet le clic droit, nettoyer. Non, c'est pas nettoyer là, c'est la génération du projet, pardon. Clic droit, clic droit, clic droit. On doit avoir un analyser et nettoyer le code. Exécuter l'analyse de code, non. On va utiliser le nettoyage du code profil 1. Vous voyez que tous mes usings inutiles ont été supprimés. On peut vérifier dans les analyses de code, configurer nettoyage de code, que mon profil 1, donc qui est celui par défaut, a donc les correcteurs inclus, supprimer les usings inutiles et en plus de les trier. Et ici, vous pouvez, si ça vous chante, configurer d'autres options de correction, comme supprimer les variables inutilisées par exemple, qui peuvent s'avérer être utiles. Mais c'est pas non plus trop recommandé car si vous avez prévu de les implémenter plus tard, et eh bien ça peut vous bloquer. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment fonctionne la sérialisation. On verra la désérialisation par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Et on se voit très bientôt.